Didier Dassault, c'est un poème. J'ai jamais rencontré dans ma vie un homme d'affaires, homme politique, compositeur de musique, photographe, pilote de Mirage. Ouais. Bon, c'est quand même quelqu'un d'assez atypique, quoi. C'est émouvant de revoir les premiers clichés, des photographies de portraits d'actrices que je faisais à l'époque où je faisais des couvertures pour le Tour de France à la demande de mon grand-père. Et puis des photos issues de mon livre Ciel, Le ciel vu du ciel. Et des photos également plus anciennes de mes livres Fugue, Niropolis, qui étaient des photos où il y avait à la fois du filet qui permettait de créer une impression et au fond de faire avec l'appareil photo à la manière des impressionnistes. Je suis séduit par son travail, pourquoi? Parce que il a oublié sa virtuosité technique. Ou du moins, il s'est servi de sa virtuosité technique pour exalter la forme, la couleur, la matérialité photographique. Sur cette photo, par exemple, qui est la prise d'un fond de vase sur lequel il y avait une lumière assez spectaculaire, eh bien, nous allons recomposer le tour du fond de verre pour le mettre en plus petit autour du rond blanc. C'est-à-dire que la plage noire est ainsi comblée et renforcée, ce qui donne à la photographie finale, évidemment, une dimension beaucoup plus spectaculaire. En fait, son travail, un peu comme de la peinture, d'ailleurs il se considère lui comme un... Il peint avec son appareil, il se considère comme un photographe bien sûr, mais il dit qu'il peint avec son appareil et c'est un peu vrai. Et donc ses photos, comme souvent la peinture, prend vraiment toute sa force quand on la voit en vrai, plutôt que quand on la voit imprimée. C'est toujours assez impressionnant de voir un artiste, qu'il soit photographe, peintre, sculpteur, arrivé à maturité. Et son œuvre aujourd'hui se rapproche effectivement de la peinture. Je dirais que photographier pour lui, c'est pas écrire avec la lumière, c'est peindre avec la lumière. Aujourd'hui, c'est le Dassault Picasso, avec de l'abstraction à tout va et beaucoup de lignes géométriques. Picasso disait que le peintre vit des époques de lignes courbes et des époques de lignes obliques, et que les obliques et les courbes se succèdent au fil des années. Le photographe, par rapport au peintre, vit plusieurs vies de peintre. Tout va plus vite, et l'évolution aussi va plus vite. Et j'ai eu ma période de courbes, j'ai eu ma période d'obliques, et aujourd'hui les obliques, les courbes se rencontrent, se croisent, et nous emmènent vers un univers abstrait, où chacun peut voir ce qu'il souhaite ou ce dont il rêve.